Dans cette vidéo, on va voir comment on peut utiliser le masque des diapositives et le mode plan pour mettre en forme un diaporama dans LibreOffice Impress. Alors, j'ai préparé un visuel pour faire un fond de diapo. Il fait bien 28 cm par 21 cm, donc en 4 tiers. Et un diaporama pour vous montrer les manipulations. Dans ce diaporama, je vais créer 3 diapositives. Une première, qui pourra servir à introduire l'oral, par exemple, avec juste un logo à l'intérieur. Une deuxième, qui me servira à mettre un titre et du contenu. Et puis une troisième, toujours avec un titre et du contenu. L'idée, c'est de remplir ces diapositives à l'aide du mode plan et de les mettre en forme à l'aide des masques. Donc dans le mode plan, si je me positionne sur la deuxième diapo, je peux lui donner un titre. Présentation des masques. Vous voyez que ça s'inscrit en même temps dans la diapositive. Et puis dans la troisième, présentation du mot de plan. Pareil, ça s'inscrit dans la diapo. Je peux bien sûr changer l'ordre des diapos par simple cliquer déposer. Vous voyez là, j'ai inversé les deux. Après, dans présentation des diapos, des masques, si je fais entrer, je crée une quatrième diapo. Si j'abaisse le niveau via la barre d'outils du formatage de texte, je me retrouve avec un premier point dans la diapo numéro 3, que je vais appeler le masque de la première diapositive. Si je fais entrer, je peux entrer le deuxième point de ma troisième diapo, le masque des diapositives suivantes. Si je reviens en mode normal, j'ai bien 3 diapos, une vide, une avec la présentation du mode plan et une avec la présentation des masques et les deux sous-points. Ensuite, je vais aller dans le masque, donc affichage masque, masque des diapos. Je vais personnaliser ce masque pour qu'il devienne le modèle de la première page de mon diaporama. Donc je vais y insérer en arrière-plan une image, celle que j'ai préparée. Pour ce faire, dans format remplissage, j'ai au préalable envoyé mon image dans l'onglet bitmap. Tout en bas, je retrouve l'image que j'ai envoyée via le bouton importer. Et j'ai aussi préparé dans couleur un rouge qui me servira à mettre en forme mes textes. Donc, avec les codes RVB, donc, correspondant à cette couleur. Une fois ces préparatifs faits, je vais insérer dans cette diapo-là un arrière-plan personnalisé. Donc, bouton droit, diapo, paramétrer la page, et dans arrière-plan, je vais chercher dans bitmap l'image que j'ai envoyée. Je vais décocher, juxtaposer et adapter automatiquement pour pouvoir arriver en taille originale. Comme j'ai préparé un visuel en 4 tiers, il va automatiquement s'adapter à la taille de ma diapositive. Et puis je vais créer un deuxième masque pour les diapos suivantes. J'appuie sur le petit plus en vert, dans la barre d'outils des diapos, des masques, pardon. Et là, je vais chercher mon image. Insertion à partir du fichier. Et je reprends exactement le même visuel. Cette fois-ci, je vais le réduire pour qu'il s'intègre au masque des diapos suivantes. N'oublie pas d'appuyer sur Maj quand je le réduis. Et puis je vais le positionner à gauche de mes titres de diapo. Si j'ai du mal à l'attraper, je peux faire un grand rectangle autour pour le sélectionner. Je le positionne à peu près là. Et ensuite, le cadre de texte pour mes titres, je vais le diminuer un petit peu pour qu'il vienne se positionner juste à côté. Ce texte-là, je peux le sélectionner et le mettre en forme. Alors, via le format des caractères, je peux l'écrire par exemple en rouge. Je peux aller chercher la couleur que j'ai créée. Je peux, dans police, mettre du gras, de l'italique. Et puis, dans effet, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Souligner, barrer, empreinte, relief. Et puis aussi, contour, pour avoir seulement le contour des lettres. Ou alors, ombre. Vous voulez ajouter une ombre en arrière-plan de votre écriture. Alors la couleur de cette ombre, elle est paramétrable dans format remplissage. Ensuite, je sélectionne le premier point de mon plan, à savoir que quand je vais avoir édité ce format-là, ça va mettre à jour tous les sous-chapitres. Par exemple, si je mets rouge, vous voyez, tous les sous-chapitres passent en rouge également. Ensuite, il reste des puces ici qui sont en noir, donc c'est pas terrible. Si je vais dans le format des puces et numérotation,
Dans puce, je peux aller choisir également le rouge que j'ai préparé. Voilà, vous voyez, toutes les puces sont passées de la même couleur. Maintenant, il me reste à fermer ce mode masque et à appliquer le bon masque à chaque diapositive. Par défaut, c'est standard qui s'applique à toutes mes diapos. Je clique sur la deuxième et en bas de la fenêtre, je fais bouton droit et je choisis standard 1 et c'est le deuxième masque qui s'applique. Pareil pour la troisième diapo, un petit bouton droit, standard 1. Et voilà.